Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, unboxing partenariat avec la boutique Gutfeld. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de partenariat avec eux. Ils m'ont proposé il y a 10-15 jours, il n'y a pas longtemps, de refaire un partenariat avec eux. Donc j'ai accepté, hein, bien sûr. Je devais choisir des kits qui me plaisaient, bien sûr. Et donc, j'ai choisi. Voilà. Et donc, je vais vous les présenter aujourd'hui. Alors, j'en ai choisi que deux. Alors, il va y avoir deux vidéos. pardon, je vous explique pourquoi. Il va y avoir une vidéo Diamond Painting et une vidéo pour autre chose. Voilà. Vous le verrez sur la deuxième vidéo. J'aime bien laisser le suspense. donc, il y aura deux vidéos pour ce unboxing Gutfeld. Parce que je ne veux pas mélanger les deux choses. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc, j'ai reçu mon petit paquet. Alors, je l'ai reçu hier ou avant-hier. Non, avant-hier. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant, mais bon, voilà, hein. On a des choses à faire aussi, hein, dans la vie. donc aujourd'hui, on est samedi, j'ai un peu plus le temps, donc je vous fais la vidéo. Voilà, donc, un kit, deux kits et des petites bricoles. Alors, les petites bricoles, que je les sors, 1, 2 et 3, voilà. Le reste, ce sera pour la prochaine vidéo. Alors, je vais commencer par les petites bricoles. Voilà. Parce qu'il me restait quelques centimes, quelques petits euros pour arriver au montant qu'il m'avait proposé. Donc, il n'y avait pas assez pour reprendre un kit. Et donc, j'ai dit, je vais prendre des petites babioles, comme on dit, pour terminer le montant qu'il m'avait proposé. Alors, la première babiole que j'ai prise. Alors, je vais d'abord le déballer. Alors, c'est vraiment des babioles hein, là, que j'ai pris pour finir le montant. C'est vraiment des gadgets. Ah ben, il y a deux plastiques. Ah non, c'est pas deux plastiques, c'est parce qu'il y a une protection. Voilà, c'est le petit tapis en caoutchouc. Voilà, qui permet de poser, alors ça colle, hein. Voilà, qui permet de poser son petit, il est, j'en ai un là, hop. Qui permet de poser votre petit plateau dessus, et comme ça le plateau il se barre plus à droite, à gauche, voilà. Donc du coup vous pouvez le poser sur votre tablette lumineuse, ou sur votre table, et poser votre plateau en même temps dessus, et ça fait que le plateau va plus se barrer. Voilà, parce que bon, c'est souvent ce qui arrive, ou alors, vous savez, ça m'est arrivé aussi, hein, hop, on fait un geste malheureux, et puis, oups, les perles, youpi, les perles tout partout. Donc, alors, je vais pas tout décoller, mais ça colle vraiment, hein. Donc, vous allez poser, je vais enlever seulement un plastique. Voilà. Vous allez poser votre plateau dessus. Le plateau ne bouge plus. Hein. Hop, je fais tomber le tapis. Voilà. Et après, vous le retirez normalement. Hein. Par contre, ne jetez pas vos protections parce que quand vous allez le ranger, du coup, faut quand même protéger votre tapis pour le ranger parce que sinon, vous allez avoir plein de cochonneries dessus. Et du coup, là, maintenant, votre tapis, il ne bouge plus. Voilà. Donc, je connaissais déjà ce genre de tapis pour la voiture. C'est les genres de tapis que l'on met en voiture pour les portables. On met ça sur la... Comment ça s'appelle ce truc? Le devant de la voiture, là. Oh mince, ça m'énerve quand je trouve pas mes mots.
Bon, vous m'avez compris, hein, tout le truc devant le pare-brise, là, noir. Donc, on pose ça sur dessus et vous posez votre, votre portable dessus. Votre portable, il ne se barre pas. Voilà. Donc, je connaissais ça pour la voiture. Et eux l'ont pris pour le diamond painting. Voilà. Donc, très bonne idée. Donc, c'est pas cher. Hein. Je n'ai pas les prix là en tête. Mais je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez le retrouver. Je trouve l'idée vraiment pas mal parce que bah, ça va éviter de bousculer notre plateau et de retrouver nos perles partout. Voilà, moi qui ai un peu Gaston Lagaffe de temps en temps, je vais peut-être éviter maintenant de jeter mes perles un peu partout. Voilà, donc ça c'était le premier gadget. Donc, je vais le remettre dans son sachet. Donc du coup, ne jetez pas votre sachet, comme ça quand vous le rangez, il est à l'abri de la poussière, puisque c'est un peu collant, pour éviter les poils, surtout si vous avez des animaux comme moi, pour les poils de chat, les poils de fifi, et tout ça. Donc voilà, ça, super pratique. C'est un petit gadget, mais pratique. Hop, le plateau par ici. Ensuite, bon, ça, vous connaissez, je pense que vous connaissez, vous commencez à connaître. Hein. Oh, j'en voulais un. Bon, enfin, j'en voulais, hein. C'est vraiment pas le truc super obligatoire. Hein. C'est le petit pot de glu. Mais bon, c'est vraiment le dernier truc que j'ai choisi. Voilà, donc vous avez la petite glu. Je vous le dis, Gaston Lagaffe, c'est moi. Donc, vous avez votre glu dedans. Donc, bon, je sais qu'il existe des recharges de glu comme ça, rondes, pour remettre dedans. Sinon, vous refaites avec vos carrés, vous coupez, vous remettez dedans. Voilà, c'est pareil, comme ça, votre glu est protégé. Voilà. Bon, rien d'extraordinaire, hein, mais bon, je vous dis, ça, c'est vraiment le dernier truc que j'ai choisi pour finir mes derniers centimes qui me restaient à prendre. Mais c'est pareil, ça protège la glu. Voilà. Donc, voilà. Alors, ça... Alors là, j'ai choisi, mais vraiment pour essayer, parce que je ne suis pas à 100% sûre, même à 50% sûre, de l'efficacité du truc. Alors par contre, je pensais qu'il y avait avec le double face, mais le double face n'est pas avec. Bon, j'ai du double face, donc je pourrais en mettre... Alors, je vais vous monter les bazars, parce qu'ils ne sont pas montés. Donc, voilà, elle est montée. Mais ça, je ne suis pas du tout à 100% sûre de l'efficacité. Donc, j'ai pris pour essayer. Donc, je vous dirai à l'usage ce que j'en pense vraiment. Voilà. Les petites roulettes. Alors il faut mettre du double face là autour. Et donc vous prenez dans votre petit plateau ici, donc faut que vos perles soient bien mises, hein, déjà là sans les rainures, et vous allez ramasser vos perles, donc elles seront toutes autour, et sur votre kit vous allez poser vos perles en roulant. Donc, vous allez pouvoir en poser plusieurs d'un coup. Donc là, sur la petite, je ne sais pas. Je ne sais pas combien on en met, hein, du coup, en une fois. Vous voyez, il y a plusieurs grandeurs. Mais je vous dis, je ne suis pas du tout sûre de l'efficacité du bazar. Bon, quand on voit les vidéos chinoises du bazar, pour eux, ça va tout seul. On essaiera. On verra. On va d'abord essayer avec le petit. et puis, je verrai si ça fonctionne ou pas. Pareil, je vous en reparlerai. Mais là, je ne suis pas vraiment sûre de l'efficacité. Donc, je vous dis, il faut mettre du double face. Alors, vous voyez, c'est pas... Alors, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, c'est pas large du tout. Hein. C'est le truc qui fait combien de millimètres. Là, non. Je vais prendre ma grande règle. Alors, ça fait... On va prendre de ce côté-là, ça ira mieux.
ça fait 3 mm. Hein. Donc voilà. Il faut que vous mettiez un double face qui fait 2 ou 3 mm. Enfin, même 2, ça suffit. Autour. Voilà. Parce que là, de la glu autour, ça n'ira pas. Je pense. Mais bon. On va voir. On va essayer. Ça marche, c'est bien. Ça marche pas. Bon, bah, tant pis. Donc, ça, je vous en reparlerai. On va essayer. Puis, on verra. Bon, c'est pas le truc non plus hyper solide. Hein, mais bon, c'est du plastique. Hein. Mais on verra ce que ça donnera. Bon, voilà. On va essayer. C'est le petit gadget. Voilà. Bon, ce que j'aime bien, c'est le plateau. Le petit tapis pour le plateau. Ça, oui, ça, je... Ça, il n'y a pas de souci. J'aime bien. Ça, j'en voulais un. Et maintenant, je l'ai. Donc, je suis contente. Voilà. Donc, voilà les petits gadgets que je me suis prise pour ce partenariat. Maintenant, les kits. Alors, ah ben, ils m'ont mis... Ils m'ont bien emballé le truc parce que le kit dépassait. Alors, on va découper le scotch délicatement sans couper le kit. Hein. Ce serait ballon. Voilà. Bon, déjà, c'est bien emballé. Voilà. Et voilà. Oh, chouette, il y a une belle pince que j'aime bien. Alors, d'abord, le petit kit. Celui-là, il est bien. Avec un grand plateau. Je vous montre en détail. Je vais l'ouvrir que pour celui-là. Je pense que pour l'autre, c'est le même kit. Hein. Alors, vous avez le petit stylet avec la petite mousse pour les petits doigts. Donc, d'un côté, voilà, pour mettre une perle. De l'autre côté, pour mettre 5 perles. Vous avez l'autre embout pour mettre, je crois que c'est une dizaine de perles, là. Voilà. La petite pince qui va bien. Alors, celles-là, je les adore. Elles sont pas lourdes, mais on sent que c'est du métal. Hein. Voilà. Alors, cela, je les adore vraiment. C'est les meilleures pinces que l'on peut avoir. Voilà, vous voyez, elles sont pointues. Hop, hop, hop. Alors, j'espère que ça floute pas. Voilà, vous voyez. Ça, c'est la Rolls des pinces. Ça, je les adore, cela. Ils ont mis deux petites glues et le grand plateau. Voilà. Alors, je me sers toujours des plateaux verts. C'est vrai. Je pense jamais me servir des grands plateaux. Je crois que j'y pense. Donc, on va ranger ça. On va mettre dans le petit sachet. Alors, ici, c'est un kit avec des perles carrées. Voilà. Alors, souvent, dans les partenariats, j'ai beaucoup des perles rondes. Mais là, ce sont des perles carrées. Alors, voilà, mon sachet de perles. Alors, ce que j'aime bien aussi, là, ce sont des perles qui sont mises en sachet zippé. Ça, c'est pas mal. Parce que, au moins, vous économisez les sachets de perles que moi, j'achète, hein, comme ça. Je vous mettrai le lien des sachets que j'achète, comme ça. Moi, j'en ai un paquet de 1000. Ça, je suis tranquille, si vous en cherchez. Vous économisez les sachets pour ranger les perles qui vous restent après. Que je vois souvent des personnes qui disent bah, vous faites quoi des perles après quand vous avez fini le kit. J'en vois aussi qui marquent bah, moi je les jette. Ça, je trouve cette réponse complètement stupide de dire que l'on jette les perles restantes d'un kit. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis. Je vais peut-être me faire incendier en disant que je trouve ça stupide. Mais
Si, je trouve ça stupide de jeter des perles restantes d'un kit, parce qu'on peut en avoir besoin pour un autre kit où il en manquerait. Voilà. Une copinette peut en avoir aussi besoin pour un de ses kits qui tombe en panne. Donc, je trouve ça bête de jeter des perles restantes. Voilà. Il y en a, on peut aussi s'en servir pour faire des autres créations, pourquoi pas. Donc, voilà. Là, elles sont mises en sachet comme ça. Donc, vous avez la référence. Et à côté, alors, à côté, je pense que c'est... Alors, à côté, je ne sais pas ce que c'est. Tic, 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 60... je sais pas. Ah, c'est le gramme, je crois, oui. C'est les grammes. Oui. Donc, vous avez le numéro. Alors, je vous montre. J'espère que ça... Ah, ça... ah, vous allez l'avoir à l'envers sur mon téléphone. Mince, je ne sais pas pourquoi j'ai à l'envers sur mon téléphone quand je fais comme ça en face, mais bon. Alors, je vous explique. Le premier chiffre, donc là, c'est 25, c'est le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, moi, c'est le numéro que j'utilise quand je range mes perles. Donc, c'est ce numéro-là. Le 996, c'est la référence DMC, voilà. Et le 1141, c'est le grammage. Donc là, c'est le grammage qu'il y a en perles. Voilà. Donc, je vais vous montrer les couleurs. Après, je vous montrerai le kit. Voilà. Bon, je vous montre pas les références, hein, je vous montre juste les couleurs en rapide. Jolie couleur. Ça, ah oui, ça c'est le noir. Du noir. On va en montrer deux à la fois, hein, ça va aller plus vite. Hop, hop, hop. Voilà. Il y a une belle collection de verres, différents verres. Alors, je vais vous dire après combien il y a de couleurs, parce que du coup, je n'ai pas regardé. Ah bah si, là, je peux. Il y a 33 couleurs. Ah bah là, je vous en montre 3 d'un coup. 3 verres. Ah, c'est collé. Vous voyez, il y a beaucoup de verres différents. Beaucoup de bleu aussi. Voilà. Et les deux derniers. Voilà. Les couleurs. Donc, c'est des jolies couleurs. Hop. On va tout remettre dans le sachet tout de suite. Hop, hop, hop. Alors, je ne sais pas encore s'il y a une feuille de route. Je vais lire ça après. Moi, vous savez que la feuille de route... Je m'en fous. Il y en a qui veulent absolument qu'il y ait une feuille de route avec leur kit. Hein. Moi, la feuille de route, alors je m'en balance complètement. Voilà. Mais bon. Ça fait rire certaines quand je dis ça, mais bon, c'est vrai que moi... Alors, vous voyez, il est encore bien emballé parce qu'il est encore dans du plastique. Voilà. Ça, là-dessus, chez Godfell, il n'y a pas de problème. Hop là. Et normalement, il y a encore un petit scotch. Alors, le petit scotch, il est où? Il est là. Elles sont super bien emballées. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vais enlever le scotch délicatement. Voilà. Alors, je vais vous mettre l'image hein, en grand. Voilà. C'est enroulé
dans un rouleau de mousse, il y a polystyrène, voilà. Hop, bon, là, comme c'est enroulé, c'est bon, c'est roulé, mais vous voyez, c'est nickel. Donc je vous disais, alors 33 couleurs, c'est un 40-50 et alors, je regarde. Hop, hop, hop. Viens là, toi. Je décolle un peu pour vous montrer l'impression. Voilà. C'est nickel. La colle est super bien. Les impressions sont très bonnes. Alors, c'est collé avec deux bandes. Je recolle bien ma feuille hein, pour ne pas faire de bêtises. Voilà. Et normalement, j'ai de chaque côté, oui, j'ai de chaque côté la liste des couleurs et le petit dessin. je m'enroule. Voilà. Et le petit dessin est là. Mais je vais vous le remettre en grand, hein, ce sera beaucoup mieux. Voilà, donc là, ce sont des oiseaux avec des fleurs. Et sinon, vous voyez, bon, c'est pas des rivières, ça. Je viens de regarder, c'est juste l'enroulage que le papier, c'est un peu... Mais ce sont pas des rivières. Je vérifie quand même, mais... Non, non, ce ne sont pas des rivières. C'est juste le papier qui s'est... Vous voyez, hop, voilà, quand je le remets, on voit plus rien, vous voyez. J'ai déjà enlevé là, alors que là je l'ai pas enlevé il y a encore. C'est pas des rivières du tout, hein. C'est le papier qui s'est mal collé ou qui s'est un peu décollé à l'enroulage, mais ça c'est pas grave du tout du tout. Je vais le faire aussi de l'autre côté tant qu'à faire. Hop. Maintenant il n'y a aucune rivière. Alors les rivières. Pour les nouvelles, enfin les nouvelles, les débutantes qui se demanderaient, qui diraient c'est quoi une rivière. Il y a des rivières. Les rivières, c'est vous voulez sur le kit. C'est la colle qui fait des bourrelets sur votre toile. Voilà, c'est ça une rivière. Donc vous allez avoir des bourrelets de colle sur la toile. Et c'est ça qu'on appelle des rivières. Alors, des fois, il y en a des très, très fines qui ne sont pas du tout gênantes sur un kit. Mais des fois, chez certains vendeurs, vous pouvez en avoir des grosses. Hein. J'appelle plus ça des rivières, j'appelle ça des fleuves. Voilà. Vous voyez, là, j'ai enlevé, j'ai remis le papier bien. C'est fini, on ne voit plus. Voilà. Il suffit que je remette bien le papier et on ne voit plus rien. C'est juste le papier là qui s'est à l'enroulage qui a dû se décoller un petit peu. Voilà. Oui. Voilà, bon, allez, donc ça c'était le premier, donc je vais le re-enrouler, j'aime bien quand il y a la petite mousse comme ça, parce qu'on peut le, hop, on l'enroule dessus, ça s'abîme pas, je vais remettre un tout petit scotch, alors, dans le temps j'avais un scotch, ah oui, le voici, le voilà. Voilà, comme ça, il est rangé. Et je vais le remettre que dans un paquet. Je n'ai pas besoin de le mettre dans deux. Non, celui-là. L'autre, la pochette est neuve. C'est bien. Comme ça, je vais la garder et je vais pouvoir m'en servir. Voilà. Et moi, j'ai l'habitude, quand c'est comme ça, je marque... non, c'est pas celui-là de feutre. Mais bon, ça fait rien. Je marque dessus, alors, Gutfell, on est le 8, bon, j'ai reçu le 7, 6, mai 2021, et oiseaux et fleurs,
Voilà, comme ça je sais ce que c'est quand je range dans tous mes DP que j'ai là. Hein, je sais plus combien j'en ai. Voilà, voyez, hop, je sais ce que c'est. Ensuite, le deuxième, pareil, il est emballé. Alors, on va le dire. Ah là, j'ai pas la même pince. Oh, sniff, j'ai la pince que j'aime pas. Oh, ce petit plateau. Bon, ça fait rien. Hop, pochette neuve, donc je garde. Bon. Et là, c'est des carrés aussi. Bon, là, le kit, c'est... Alors, c'est le même, mais là, c'est le petit plateau avec le bec verseur. Donc ça, ces plateaux-là, je les aime bien. C'est quand on a fini notre kit et qu'on veut vider nos petits pots pour remettre dans les sachets. Ça, ça va bien. On ne met plus de perles partout. Le stylet, c'est le même. Hein, donc, avec le petit embout de 10 perles. Là, j'ai une glue ou deux. Alors, j'ai deux glues. Par contre, j'ai la mauvaise pince. Alors, celle-là, c'est... Celle-là, c'est de la pas bonne pince. De la pas bonne pince. Français, hein. Alors, celle-là, je vais dire un gros mot, c'est de la MERDE. Vous voyez, ça n'attrape rien du tout. Alors, ça, ça ne sert à rien de mettre ça dans les kits, parce que ça ne fait rien du tout. Bon. Bon, c'est rien. Pas grave. Enfin, si c'est une débutante qui reçoit cette pince-là, bon... Enfin. Allez. Donc, ici, j'ai combien de couleurs? 34. Et c'est un 40-40. Donc, c'est un carré. Bon, il est où le bout? Ouh, le bout. Où es-tu? Il est là. De jolies couleurs déjà, je vois. Alors pareil, mais souvent je vous dis chez Godfell, c'est très, je pense que j'ai jamais eu de sachet en chapelet, donc les petits sachets comme ça. Oh là, oula, gros sachet de blanc, regardez, énorme sachet de blanc. Et j'ai un gros sachet, enfin, les plus petits, oui, de rose. Ah, il y a une petite perle qui s'est perdue, là, d'une autre couleur. Oh, ça arrive, ça, hein, c'est pas grave. On va pas faire un caca nerveux, hein. Bon, allez, je vous les montre deux par deux, par trois. Voilà. J'essaye d'aller au plus vite pour montrer les perles. Le gros sachet de blanc, là. Ouh. Blanc et noir, c'est pas mes couleurs préférées quand il y a beaucoup à mettre. Voilà. Là, c'est beaucoup des roses. Des roses, des rouges. Voilà. Un petit bleu qui se promène. Alors, ici. Voilà. Ah ben, ah, là, il y en a un gros aussi. Alors, ça, c'est un marron. Voilà. Ah, j'en ai perdu un là que je ne vous ai pas montré. Ça doit être celui-là. Allez, viens. Voilà. Et les deux derniers. Non, trois derniers, pardon. Voilà. Bon, il y a deux, trois perles qui se promènent dans le fond du sac, mais c'est pas.
Rien de grave. Donc là, le gros sachet de blanc. Ouh là là. Ouh là 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 là. Mais bon, ça va maintenant. Avant, quand j'avais pas de tablette, c'est vrai que ça, je galérais. Mais là, avec ma tablette lumineuse, ça va beaucoup mieux. Là, c'est ça, quand on vieillit. Hein. Ben, c'est surtout les noirs. Oh, les noirs. Mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Je fais du bruit, désolé, mais c'est pour ranger les perles. Alors, ici, pareil, il est bien emballé. Alors, voilà. Ça, pour ça, Gutfeld emballe bien ses kits. Voilà. Ah, bah alors. Allez. Ils sont tellement bien emballés, j'arrive pas à les déballer. Alors, le petit scotch, le bout, il est là. Voilà, je vais enlever le petit bout de scotch avant de vous montrer. Voilà, dans la poubelle. Le petit rouleau de mousse, hein, comme pour l'autre. Et pareil, alors, hop. Voilà, vous voyez, c'est nickel. Alors, je vais essayer d'enlever tout de suite les coins, c'est plus facile pour vous le montrer. Alors là, je n'ai aucune soufflette dans le papier, comme pour l'autre. Donc, il a bien été enroulé. Ah oui, je comprends pour le blanc. Attendez, hein. Hop, comme ça, ce sera moins enroulé. Je comprends pour le blanc. Voilà. Alors, pour dérouler, c'est ça. Hein. Vous pouvez décoller les quatre coins. Là, vous ne voyez pas, je suis désolée. Vous pouvez décoller les quatre coins et recoller. Et ce qui fait que votre kit se remet un peu à plat. Se remet à plat. Voilà. 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 Là, au moins, il va plus s'enrouler. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai pas de rivière. Alors, je vais essayer de vous montrer le dessin. Déjà, enfin, là, vous avez les références des couleurs. Et voici le petit dessin. Mais je vais vous le mettre en grand, hein, bien sûr. Voilà. Une petite fée, toute mignonne. Et maintenant, je vais vous montrer l'impression de la toile. Alors, vous allez comprendre pourquoi le blanc. Voilà. Vous voyez le blanc? C'est le fond. C'est tout le fond. Voilà. Alors, vous voyez, pour les débutantes, pour vous repérer sur les milieux, il y a toujours des petites flèches noires comme ça. Ça vous fait repérer le milieu de l'ouvrage. Voilà, et niveau colle, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, ils sont toujours de très bonne qualité. Oups, si je colle mal, je vais avoir des problèmes. Ils sont toujours de très bonne qualité. Avec les kits Gutfeld, je n'ai jamais eu de problème. Voilà. Vous pouvez y aller les yeux fermés, hein, sans problème. Je le re-enroule. Voilà. Hop, un petit scotch pour pas que ça bouge. Le scotch va pas abîmer votre kit, hein, quand vous le faites. Et je vais remettre ça là-dedans. Donc c'est bien, du coup, j'ai deux pochettes neuves. Voilà, alors du coup, j'ai dit, je vais marquer dessus. Alors,
Gutfeld. Bon, je marque la date d'aujourd'hui, hein, c'est pareil. Donc, petite fée, je vais marquer. Voilà. Hop. Voilà. Donc, quand vous avez beaucoup de kits, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà. Là, du coup, comme ça, j'ai récupéré deux enveloppes. Ça va être super. Comme j'ai les kits. Alors, je suis désolée. Vous allez dire, on a fait le concours. Et les filles qui ont gagné le concours n'ont pas encore eu leur kit. Mais bon, je les ai prévenues, heureusement. Là, ça part cette semaine. J'avais d'abord attendu que les deux autres gagnantes me donnent leur réponse. Je ne les avais pas eues. Puis entre-temps, moi, j'ai eu la fin du mois. Moi, je suis pensionnée en validité. Hein. Donc, j'ai eu la fin de mois. Et puis là, bon, j'ai dû attendre ma pension. Donc, il y a toujours du retard entre le concours et l'envoi des lots. Donc, quand je fais les concours... Faut jamais vous inquiéter si votre lot arrive un peu longtemps, enfin longtemps, il n'arrive pas 6 mois après, hein, vous inquiétez pas, mais il y a toujours un laps de temps entre la fin du concours et l'envoi des kits. Donc là, les filles qui ont gagné le concours, justement, leur lot part ici, ben là on est week-end, donc leur lot part ici en début de semaine. Elles vont dire « Ouf, enfin !» Mais c'est vrai que quand on est en retraite ou en invalidité, tout ça, bon, ben, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, je tiens toujours à faire des concours, donc j'essaye toujours de... Voilà. Mais j'envoie toujours les lots, mais il y a toujours un laps de temps. Souvent, le laps de temps est de 15 jours. Là, il était un peu plus long. Mais bon, voilà. Les filles ne m'en veulent pas, je le sais, parce qu'on s'est écrit par email. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, il faut savoir que quand je fais un concours, il y a un petit laps de temps pour l'envoi des lots. Il ne faut pas m'en vouloir. Le principal, c'est de le recevoir. donc, voilà. Ça, c'était pour les kits que j'ai reçus donc, de la boutique Gutfeld. Donc, je vais vous mettre en barre d'infos tous les liens nécessaires, les liens de la boutique, les liens pour retrouver tous les articles que je viens de vous présenter. Et je vais vous faire donc une seconde vidéo pour vous montrer autre chose. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.